Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais laissé dans le dernier épisode au centième jour de cette partie. Centième jour en niveau hardcore et dans un village retrouvé où j'avais fait bien le plein. En termes de redstone, ça c'était l'épisode encore précédemment. Voilà, donc bah écoutez, ça a bien avancé, j'ai fait évoluer, alors je sais pas si certains l'ont remarqué dans la capture d'écran et dans la vidéo précédente, j'ai fait évoluer cet espace-là avec, comme vous pouvez le voir, des entonnoirs, des caisses pour faire en fait un chargement, hop là, ultra rapide. Donc en fait, quand je collecte des ressources, je les positionne ici, là je mets du bois et donc ça alimente automatiquement les hauts fourneaux de manière à ce qu'ils produisent ce qu'ils ont à produire. Donc que ça soit du cuivre comme en ce moment, mais aussi du fer ou de l'or, voire même parce que j'ai besoin de faire évoluer là, tous ces charmants villageois, voire même donc, de commander des pièces d'armure. Puis de les faire fondre parce que potentiellement elles ne me servent à rien. Alors en parlant de ça, vous avez pu le voir, hein, j'ai trois hauts fourneaux et donc potentiellement avec trois hauts fourneaux, on pourrait se dire que ces charmants jeunes hommes pourraient m'offrir des bonnes protections. Eh ben non, des jambières en diamant, protection 1 pour 16 émeraudes et 3 diamants. Non, merci, pas la peine. Il est où le deuxième? Oui, il y a du monde. Il y a du monde. T'es pas toi. Bon, je vais pas faire tout le tour. Si, en voilà un autre. S'il te plaît, barre-toi, toi. Donc, toi. Alors, lui, que des bottes. Hein, c'est un maître, hein, c'est un armurier maître. Que des bottes. Protection 1. Envie de pleurer. Et le dernier. Bloc de fer, il me donne 4 émeraudes. Et des bottes en diamant, enfin non, il n'y en a pas un seul en fait qui va m'offrir l'armure que je désire, donc je vais être obligé malheureusement de miner du diamant ou d'utiliser mon diamant pour fabriquer cette armure enchantée qui me permettra par la suite d'être peut-être un petit peu mieux protégé que ce qui est le cas aujourd'hui. Je fais de même avec donc les voilà, lui le jeune homme là. Alors, bon, c'est pas monstrueusement nul, mais le forgeron d'armes me propose cette épée-là, donc je l'ai prise. Mais j'avais moi à fabriquer celle-ci, et vous voyez, elle est vachement plus intéressante, quoi. La hache est pas mal, et celle que j'avais fabriquée avait fortune. Voilà, donc en fait, à chaque fois dans les échanges avec les villageois, bah, je me retrouve pas complètement gagnant. Bon, en même temps, c'est ce village-là, c'est le village que j'ai fait évoluer. J'ai un autre village dans lequel je pourrais aller faire des échanges, mais comme vous en doutez, si vous avez regardé les précédents épisodes, eh ben, je sais pas où il est. Enfin, si, je sais où il est, mais tellement galère pour y aller. Donc, prochainement, je vais me rendre par là en expédition avec des cartes, des systèmes pour faire le petit pousset. Bref. Je vais avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller et surtout revenir sans perdre trop de temps. Dans cet épisode-ci, je voulais juste vous montrer quelque chose, je suis super content. Vous montrer qu'en fait, bah, on pouvait profiter donc des nouveautés de la snapshot, même en jouant en hardcore. Parce que donc, en partant à la recherche de ressources, je suis parti par ici. J'ai exploré cette zone tout doucement, hein, tout tranquillement. Habituellement, j'évite de partir d'ailleurs quand il commence à faire nuit. Je pars en plein jour, mais là, c'est juste pour vous montrer. Je vais pas attendre de pas faire une nuit. Voilà, donc on passe la petite zone ici. Voilà, et donc là, je suis revenu plusieurs fois de manière à avoir toujours de quoi éclairer et. Voilà, donc quand on est comme ça là, on regarde par ici, là il y a un petit coin sympa. Donc j'avais dit dans. Oh,
ça manque de lumière ici, tiens. Dans un précédent épisode, les objectifs à faire, ben donc le portail, il pourrait tout à fait trouver sa place par ici. On a une bonne base ici. Et à partir de ces éléments-là, construire un joli portail avec de l'eau juste au-dessus, je sais pas. Voilà. Donc je suis parti aussi un petit peu par là. Et surtout, en fait, regardez ce que j'ai découvert ici. Et écoutez. Oui, quand on n'entend pas les chiens, on entend le vent. The breeze, c'est, et j'ai été vérifié sur internet et j'ai d'ailleurs été creusé aussi. Alors, où est-ce que... Donc, là, le bruit qu'on entend, c'est le vent de The breeze. Si je descends ici, voilà, et oui, voilà ce que j'ai été faire. Là, on entend des squelettes. Là. Alors, est-ce que ce sont les squelettes? J'ose. Oui, il va y aller. Je dois vous avouer que là, pour l'instant, avec la protection que j'ai. Voilà, il va se... les chiens vont se faire défoncer la tête. C'est horrible. Non, c'est horrible. Hop. Donc voilà, donc le but du jeu c'est pas d'y aller maintenant, mais c'était juste de vous montrer bah voilà que. Ah, le spot est trouvé. Oui, et en plus c'est donc ce sont les flèches empoisonnées, donc j'ai déjà vu ça. Oh là là là. Non bah franchement non je vais pas y aller aujourd'hui. Oh là 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 là. Oh, mes chiens ils vont se faire éliminer lamentablement. Enfin, c'est de ma faute. Donc voilà. Non, on s'en va. On s'en va. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer ça. C'est une toute petite vidéo. J'ose vraiment pas trop y aller. Alors, si je vous montre. Parce que donc ce qu'on a vu, c'est la partie haute de. Voilà, et ici on retrouve une autre partie. D'accord? Donc c'est toujours la chambre d'entraînement. C'est toujours elle. Là on entend moins de bruit. Et alors le dernier. Oh, il faut que je me souvienne. Je crois que. Non. Hop. Ah oui, là, les chiens ils sont en train de pleurer leur mère. Voilà, c'est ici je crois, voilà. Vous voyez? Comment ça j'ai pas mis de lumière ici? Oh là. Voilà, et donc là on est dans la chambre d'entraînement. Mais alors je dois vous avouer que je n'ose... Ça c'est génial quand même. J'ai envie d'en ramener. Pour éclairer ma chambre. Vous croyez que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Oh génial. Voilà, donc. Oh, y a des distributeurs. Pour l'instant. Je suis. Coincé entre l'envie d'aller voir plus loin ce que je peux trouver et puis bah vous le partagez, mais en même temps j'ai tellement peur de me faire défoncer et de mourir parce que je vous le rappelle je suis en hardcore et là ça a l'air d'aller, il n'y a pas de il n'y a personne, on est dans un couloir tout cool. Mais rien que là, vous voyez. Rien que ce qu'on voit là-bas, là. Hop. La petite capture d'écran.
ça s'arrêtera là. Hein. Franchement, ça s'arrêtera là. Je vais pas aller faire le fou là-dedans pour l'instant. Donc, ce qui est génial, bah, c'est que je pourrais vous faire un épisode là-dessus. Et puis, vous partager un petit peu en vrai, quoi. Comment survivre à ce genre de truc. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, moi en PVP, je suis une grosse brêle. Et donc, il est hors de question que j'aille me coltiner des générateurs comme ça, avec je ne sais quelle bestiole dedans. Enfin, si, je sais quelle bestiole dedans d'ailleurs, parce que j'ai regardé donc plusieurs vidéos sur YouTube et j'ai vu quel type de mobs on pouvait récupérer. Les squelettes qui balancent des flèches empoisonnées. Oula, il y a du monde ici. Si je pouvais éviter, ça serait pas mal. J'ai pas. Je suis pas suffisamment équipé aujourd'hui pour pouvoir affronter tout ce monde-là. Oh, je l'avais pas vu arriver celle-là. Oh, aïe aïe aïe. Bon, heureusement, il y a du monde pour me protéger. Oui, je tire vraiment comme une chèvre aussi. C'est-à-dire que même quand j'ai l'équipement, je suis pas capable de me débrouiller. Alors, arthropode, c'est eux. Hop là, je change d'épée. Oui, incapable de me battre même contre ces petites bestioles là. Je tape toujours au mauvais moment. Ah non, mais franchement, il faut vraiment que je m'améliore, quoi. Ah, pour m'améliorer, il faut que j'aille me battre. Mais si je vais me battre... Punaise, même eux, j'arrive pas. Même une simple araignée, j'arrive pas. Ah si, ça y est. Oui, trop fort. Non, c'est pas vrai. Hop. Alors... Tiens, un petit creeper. Juste pour signaler que tout à l'heure... alors, vous voyez, hein, les chats, ils font bien leur boulot là dans ce cadre-là. Merci les chats, faire fuir ces saletés. Donc je disais tout à l'heure, je faisais un petit peu mes allers-retours. Parce que donc j'avais collecté pas mal de cuivre et donc je venais de temps en temps en prendre ici. La nuit passe, je reviens, les deux portes étaient ouvertes. J'arrive comme ça, et qu'est-ce qu'il y avait là? Un creeper. Je suis parti en marche arrière, mais ultra rapidement. Et je l'ai attiré à l'extérieur. Voilà, j'aurais pu faire exploser toute mon installation ici, puis bah potentiellement mourir. Donc bon. Voilà, alors. Des ampoules en cuivre. Ah, une cirée, une pas cirée. Ok, des grilles, ça j'en avais déjà fait par moi-même. Le taf sculpté, ok. Escalier en cuivre taillé, oxydé, ciré. Waouh. Cuivre oxydé, ciré. Et bloc de cuivre ciré. Bon, et un pauvre pantalon en cuir. Je sais pas ce que je vais en faire. Ok. Ah, ça bastonne là-bas. Je vais le laisser faire. Je vais pas aller jouer là-dedans, moi. Alors, on va stocker tout ça. Ici, comme vous pouvez le remarquer, ouais, je ferme parce que j'ai pourvu qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir. Donc ici, j'ai mis pas mal de choses, donc je pense que je vais venir mettre tout ce qui est cuivre aussi. Parce qu'en fait, ça m'embête bien. Alors les ampoules, je vais peut-être les garder pour ma chambre, ça aussi. Ou en fait, je vais rien laisser ici, disais-je. Non, en fait, je vais les voir. Ouais, je le ferai tout à l'heure. Peut-être en off. Ici, donc, j'ai tout ça en cuivre. Et bien entendu, voilà, ça prend plus de place qu'il en faut. Hop. J'ai dit donc ça. Non, c'est pas les mêmes. Ah oui, donc. Cuivre ciré, cuivre. Oui, donc il va se différencier les deux. Ok. Ah oui, donc potentiellement, là, je laisse rien, quoi. J'ai pas beaucoup de place. Et. Oh, purée. Ok, donc je vais ramener 3 par 3. Bah, soyons fous, le jour se lève.
Hop. On va positionner tout ce qui est cuivre ici. Donc ça, c'est cuivre ciré. Voilà, c'est pour ça que c'est différent. Ok. On les laisse par là, hein. Ouais. Lui aussi. Et puis je vais aller décorer ma chambre. Je reviendrai là après. Allez. Et que je pense donner à manger aux chiens aussi. Hop. Donc ma chambre qui a déjà vu quelques transformations. Avec le teff taillé. Voilà. Mais là, ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est vraiment cet élément-là. Qui donc. Ah non! Ah, j'ai pété le système. Et il va falloir que je mette peut-être de la redstone ou quelque chose comme ça dedans. Là, ça s'allume pas en fait. Je peux pas faire un clic droit dessus. Ah, si, là! Ça a changé quoi? J'ai frotté. Oui, mais c'est pas ça le but du jeu. Bon, bah, j'ai pas de lumière. Je les reprends avec moi, mes ampoules. Et je vais me renseigner sur la manière de les illuminer ou de les mettre en lumière. En attendant, les chats sont là. Les jours s'élevaient. Ok. Est-ce que je change le plafond? Quoi? Mais non! Mais qui c'est qui... Non, mais j'ai... Vous voyez, je réagis à deux à l'heure, quoi. Oh, c'est pas vrai. Pauvres animaux. Deux chats en moins. Voilà, j'ai un... Une vitesse de réaction... Et donc, vous pouvez voir que je suis... Non, mais j'ai la même problématique, en fait, quand je me fais attaquer. Hein. Je vais réagir à la même vitesse en disant « Ah oui, tiens, je me fais attaquer. » Bon, bah, il serait peut-être temps que je réagisse. Et puis finalement, bah, je réagis, mais beaucoup trop tard. Voilà. Bon, bah, c'était donc une toute petite vidéo pour vous dire que j'ai trouvé la maison du Breeze et que l'on pourra se faire... une petite virée par là-bas, mais ça sera plus tard quand je serai super équipé et que je pourrai y accéder sans trop de soucis ou sans craindre trop pour ma survie. Voilà. Bon, prochain épisode, on reprend la route, on repart en direction du village, des villages de bord de mer. D'ici là, j'aurais peut-être fait un équipement. Je me tâte aussi, bien entendu, pour faire un portail. Qu'est-ce qui est prioritaire? Je sais pas, en fait. Je sais pas trop. Donc, je vais pas aller trop vite, ça c'est sûr. C'est pas ma nature. J'ai pas envie de perdre quoi que ce soit. Donc, je vous dis à très bientôt. Mais je ne vous dis pas quel sera le sujet de la prochaine vidéo, du prochain épisode. À très bientôt donc. Salut !